Salut, si tu es fan de Clash of Clans ou de Clash Royale et que tu veux un maximum de live et de gameplay, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher un gros pouce bleu. Salut les amis, on est de retour pour une nouvelle vidéo et on va parler de la mise à jour qui va arriver très bientôt. Donc, c'est courant juin, donc ça devrait arriver d'ici quelques jours sur Clash of Clans et on va voir les détails sur la maison des ouvriers. Donc, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur le village principal. Il y a quelques nouveautés, c'est pas encore vraiment ce qu'on attend, c'est pas encore vraiment énorme, mais c'est déjà ça de prix. Donc, on va commencer sur le village, euh, le deuxième village, le village des ouvriers. Il y a la maison des ouvriers de niveau 6 qui sort. Avec en défense une tour d'archer en plus, un broyeur en plus, une mine, une méga mine et quatre sections de remparts. Et c'est marqué, vous avez bien lu, euh, il y aura un deuxième broyeur, le fléau des barbares et des géants. De plus, en correspondance avec l'augmentation du niveau des maisons d'ouvriers, toutes les défenses, les pièges et les murs peuvent maintenant être améliorés au niveau 6. La seule exception, c'est pour le piège à ressort, en fait, qu'on pourra toujours améliorer niveau 4 maximum. En attaque, on passe euh, avec un camp militaire en plus. On passe de 4 camps militaires du coup à 5. Les niveaux 11-12 sont disponibles pour toutes les troupes après l'amélioration du laboratoire astral au niveau 6 et du niveau 6 au niveau 10 pour la machine de combat. Donc on passe du niveau 5 au niveau 10. C'est vraiment pas mal la machine de combat. Moi, je, je vais bientôt l'avoir. Donc j'ai encore du chemin pour l'arriver jusqu'au niveau 10. Déjà, je, serai, je suis assez pressé de l'avoir au niveau 5 euh, plutôt pour avoir le, la capacité. Je ne sais pas si c'est vraiment le niveau 5 que j'ai débloqué, mais si c'est comme sur le premier village, ça sera ça. Donc voilà, on verra bien. Et les troupes de niveau 12, on verra ce que ça donne. On passe aux collecteurs. Donc les collecteurs de ressources, les réserves, les mines de gemmes et la tour de l'horloge peuvent être améliorées au niveau 6. Une seule tour d'archer dans votre hôtel de ville. Donc votre village principal peut maintenant être équipé exactement comme le canon. Ceci nécessite une tour d'archer de niveau 6 dans la maison des ouvriers et une tour d'archer de niveau 10 dans l'hôtel de ville. En équilibrage, là ça va être la très mauvaise nouvelle sur le second village. Donc le temps d'attente pour la réutilisation de la tour d'horloge est réduit de 8 à 7 heures. Ça c'est une bonne nouvelle. Par contre derrière, la durée de la tour d'horloge est réduite de 50%. Donc... Par exemple, moi, elle dure 12 minutes, et ben maintenant, elle durera seulement 6 minutes. Le multiplicateur de vitesse en plus a été réduit de 10 fois à 8 fois, donc. Le temps passera 8 fois plus vite au lieu de dix fois plus vite. Ils, ont, ils disent donc après une réflexion approfondie, nous avons estimé que la tour de l'horloge fournit trop de temps d'amélioration gratuite. Donc nous diminuons le temps de recharge de la tour de l'horloge de 8 à 7 heures et réduisons la durée de 50%. Nous avons estimé que la tour de l'horloge a progressé trop rapidement et qu'il fallait la rééquilibrer pour l'adapter avec les temps d'amélioration des niveaux relatifs. Réduire son temps de recharge lui permettra d'augmenter la vitesse de votre maison des ouvriers 3 fois par jour, plus, plutôt que 2 fois. Bon, on va dire que c'est un peu une petite arnaque de, de nous faire croire que c'est un avantage pour nous, alors que ça nous désavantage complètement. Euh, surtout pour ceux qui vont attaquer la maison des ouvriers seulement là, ou qui l'ont prise un peu en retard, on va dire que ceux qui jouent depuis le début ont pris euh, un gros avantage. Je trouve ça vraiment dommage. La Grosse nouveauté en attaque, cette fois-ci sera la Sorcière de Nuit, donc la Sœur Nocturne de la Sorcière. La Sorcière de Nuit est disponible une fois que vous avez amélioré votre maison des ouvriers au niveau 6. Bien qu'il y ait des similitudes entre la Sorcière de... la Sorcière normale et la Sorcière de la Nuit, il y a quelques différences qui font qu'elle se démarque. Découvrez ses capacités. Donc la Sorcière de Nuit réalise des attaques à distance qui frappent des unités aériennes et terrestres. Contrairement à Clash Royale, la Sorcière de Nuit sur le village nocturne, donc le village des ouvriers ne tape pas avec une hache en corps à corps, mais a le même pouvoir à peu près que la sorcière basique. Mais par contre, elle envoie les chauves-souris. Elle invoque des chauves-souris qui attaquent les unités terrestres et aériennes, eux aussi. Une fois détruite, elle se transforme en une nuée de chauves-souris. Donc ça, c'est sa capacité. Sa capacité, c'est qu'à chaque fois qu'elle est détruite, comme sur Clash Royale, elle lâche des chauves-souris, euh, des chauves-souris 4 ou 5, je sais plus vraiment. Mais je sais pas si ça serait exactement pareil sur Clash of Clans. Donc la sorcière de la nuit est une excellente façon de détruire les broyeurs. C'est pourquoi nous introduisons euh, le fléau de la sorcière de nuit, le rôtissoir. Donc en fait, il y aura un contre au niveau des défenses. Face à la sorcière de nuit sera le rotissoir. Vous en avez entendu parler depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui attendent ce, cette défense. Donc nous ne pouvions pas ajouter une unité offensive cool sans trouver un moyen de se défendre contre celle-ci. Le rotissoir est une excellente solution contre la sorcière de la nuit. C'est un bâtiment défensif qui inonde les ennemis d'un flot de plasma brûlant. Voici ses capacités. Donc le rotissoir aura une portée de 7 cases, Une rafale de 15 tirs. Au niveau 6, il fait 16 de dégâts par coup. Donc c'est ça a pas l'air énorme comme ça mais on va dire que ça fait des dégâts par zone donc c'est c'est assez efficace vous verrez dans le gameplay que je vous mettrai une fois que ce sera sorti puis si si vous l'avez euh, si vous êtes déjà BH6 dès que ça sort ou vous êtes déjà BH5 max assorti euh, atteint les unités terrestres et aériennes donc les tout ce qui est bêta gargouille les chauves-souris des, des sorcières de nuit vont prendre quand même assez cher et il fait des dégâts à effet de zone comme je vous ai dit euh, vous l'aurez bientôt un nouveau niveau de la maison des ouvriers avec de nombreuses mises à niveau de troupes et de défense, deux nouvelles unités amusantes et une autre fonctionnalité d'équipement pour votre hôtel de ville. Nous espérons que vous apprécierez brûler vos ennemis. Donc là, apparemment, je ne sais pas s'il parle de... de cette mise à jour-là ou s'il parle d'une mise à jour future, parce qu'il parle de deux nouvelles unités amusantes. Donc apparemment, il parle d'une mise à jour future avec le Super PK et le ballon euh, livreur, je pense en tout cas une nouvelle fonction une autre fonctionnalité d'équipement pour votre hôtel de ville donc je sais pas en fait je sais pas vraiment j'ai un gros doute euh, sur la fin de du communiqué en disant qu'on avait deux unités en plus alors qu'il y a que la station de nuit sur celle-là bon on verra bien par la suite mais je pense qu'il y aura d'autres mises à jour qui vont se greffer à celle-là comme d'habitude ils vont essayer d'enchaîner les mises à jour comme je l'avais dit j'avais vu ça, ça sur un, un serveur anglais et euh, ça se confirme, et je pense que ça va se confirmer. L'HDV12 risque d'arriver aussi d'ici la fin de l'année, donc on verra ça. Donc les amis, la vidéo est finie là. J'espère que ça vous aura plu d'avoir tous les détails. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et ceux qui sont déjà, déjà abonnés, comme d'habitude, partagez. Salut